Mesdames, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Le ministre de l'administration territoriale à Kwalou, village frontalier entre le Bénin et le Burkina, objet d'un litige frontalier entre les deux pays, Auguste Denis Barry, a rassuré les populations que le Burkina œuvrera en faveur d'un règlement pacifique du différend. Du revers de la main, Moumouni Diguimdé a balayé toutes les accusations portées contre lui. Le ministre des Infrastructures demande de tourner la page pour se consacrer au développement. L'économie burkinabé plombée par une année 2014 pleine d'incertitudes sur le plan politique. La croissance qui était estimée à 7% ne devrait pas dépasser la barre des 5%. Merci de suivre le journal de 20h sur la RTB. Kwalou, village frontalier entre le Bénin et le Burkina, fait l'objet d'un différend frontalier ayant décidé de s'en référer à la Cour internationale de justice de La Haye pour trancher le litige. La zone est déclarée depuis 2009 zone à statut particulier. Cet accord est constamment violé par la partie béninoise, ce qui a nécessité la visite du ministre Auguste Denis Barry dans la région. Reportage à Aboubakar Sagnon. Kwalou. Le flou juridique sur le statut de ce village situé à la frontière entre le Bénin et le Burkina Faso a valu le déplacement du ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité. Derrière l'enthousiasme des populations qui l'accueillent, se cachent de profondes inquiétudes. En effet, les habitants de cette localité, objet d'un différend frontalier entre les deux pays, ne savent toujours pas, selon le chef coutumier, s'ils sont béninois ou burkinabés. Le fond du problème, une différence d'interprétation des textes coloniaux sur le tracé de la frontière. Les travaux de la commission mixte paritaire de délimitation mise en place par les deux États dans les années 80 n'ont pas permis de trouver une solution. En 2009, les deux parties ont alors convenu de soumettre leurs différends frontaliers à la Cour internationale de justice à travers un compromis qui fait de Kwalou une zone à statut particulier. Au terme de ce compromis, non seulement les deux parties s'engageaient à soumettre le litige à la Cour internationale de justice, mais s'engageaient aussi à observer un certain nombre de mesures conservatoires. Parmi ces mesures-là, il consistait à observer une certaine suspension de toute œuvre nouvelle d'infrastructure socio-économique sur la zone, en tant que conséquence même du fait d'avoir déclaré la zone comme étant une zone neutre. Il va de soi qu'en ayant réalisé de telles infrastructures, les dispositions du compromis de 2009 ont été violées. Un accord constamment violé par la partie béninoise. Depuis 2010, 44 actes contraires à l'esprit de l'accord ont été recensés. Les derniers en date, des travaux d'adduction en eau potable et d'électrification du village entrepris par la partie béninoise dès le lendemain de l'insurrection populaire au Burkina Faso. Face à cette situation, le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité est venu témoigner aux populations de Kwalou de l'intérêt que leur accorde l'État burkinabé. L'une des raisons pour lesquelles je suis là ce midi, pour vous rassurer, pour vous dire que le gouvernement va travailler de sorte que les intérêts supérieurs, n'est-ce pas, de notre nation puissent être défendus. Le Burkina reste attaché au premier engagement, n'est-ce pas, de faire en sorte que cette affaire soit réglée pacifiquement, parce que le Burkinabé a toujours été épris de paix. Le Burkinabé a toujours été acteur, n'est-ce pas, promoteur de paix. Et c'est pourquoi les liens d'amitié et de fraternité entre voisins sont sacrés pour les Burkinabés. Le ministre a aussi expliqué aux populations de Kwalou les raisons de l'insurrection populaire de fin octobre. Auguste Denis Barry leur a demandé de faire confiance aux autorités de la transition qui ont besoin du soutien de tous les Burkinabés pour atteindre les objectifs de la transition, notamment l'organisation des élections générales en 2015, la lutte contre la corruption, l'injustice et l'insécurité. Les populations de Kwalou, par la voix de leur chef coutumier, ont exposé leurs préoccupations. Celles-ci se résument au manque de CIG, de postes de police et de gendarmerie et au manque d'éclairage au CSPS du village.
Séance tenante, le ministre a promis une ambulance pour le CSPS. Les autres préoccupations seront transmises aux plus hautes autorités pour examen. Auguste Denis Barry a achevé son séjour à Kwalou par la visite du CSPS et des infrastructures récemment construites par la partie béninoise. Le ministre s'est également rendu sur les lieux considérés par chaque partie comme étant la frontière. Pour le Bénin, c'est ces petits ponts qui matérialisent la frontière, alors que pour le Burkina Faso, c'est le pont du fleuve Pendjari qui marque la limite en territoire. Réponse du berger à la bergère. Le ministre des Infrastructures, du Désenclavement et des Transports a animé aujourd'hui une conférence de presse pour répondre à ses détracteurs. Moumouni Kigimdi a balayé du revers de la main toutes les accusations de malversation de faux et usage de faux. Reportage Adama Koulibaly. Face aux hommes de médias, le ministre Kigimdi a d'abord justifié le contexte de ces différents chantiers dont les agents lui reprochent le fait de marché passé de gré à gré. Ces travaux concernent l'aménagement de 5 rues à Wemtenga et d'autres chantiers. Le président du Faso, le premier ministre, le président du CNT, on avait suivi des élections normales avant qu'ils prennent fonction. On devrait s'assurer, ensemble avec leurs unités, que l'accès à leur domicile ou les lieux qu'ils fréquentent sont exemptés en grande majorité de tout danger et de tout obstacle de manière à hypothéquer leur sécurité. Le parking dont on parle, il n'y a pas encore même de contrat signé pour développer le parking. On a dit de nettoyer pour des raisons de sécurité. Selon le collaborateur du ministre, ces marchés n'ont pas encore été attribués, la procédure étant en cours. Ces dossiers devraient de plus passer en conseil des ministres et le coût total est estimé pour le moment à environ 681 millions de francs CFA. Quant à la privation de peine de liberté de 4 mois dont il aurait écopé aux États-Unis, le ministre se veut catégorique. Je n'ai pas fait de prison. J'ai été arrêté et c'est tout. Et après relâché. Mais sur insistance des journalistes, voici sa réponse. Nelson Mandela a été condamné 27 ans. On l'a considéré même, je vous dis, comme un terroriste. Au début, c'était le terrorisme. Allez lire. Voilà. Voilà, donc De Gaulle aussi a été conduit comme un terroriste. S'il vous plaît, même nous qui sommes ici, là, sur la scène internationale, là, le sous-développement, là, c'est quoi? C'est une condamnation. Les questions d'immatriculation d'avions pour le Hajj 2010 et des sanctions encourues par des agents du ministère qui auraient dénoncé des responsables véreux ont aussi été évoquées. Le ministre affirme n'avoir rien à se reprocher par rapport à toutes ces situations. En tout état de cause, pourrait-il accomplir efficacement sa mission quand on sait que la grogne ne fait que toujours retentir? Le bilan des accidents de la circulation pendant la fête de Noël a été dressé hier par le commissaire central de police de Ouagadougou. Les chiffres sont en hausse par rapport à l'année dernière où ils étaient de 88 contre 111 accidents de la circulation avec un décès cette année. Reportage Aruna Maré. Ces motos réduites en ferraille en un clin d'œil et qui ne vont plus permettre à leurs propriétaires de rallier l'autre bout de la ville pendant cette période de fin d'année portent les stigmates d'accidents de la circulation. Les 6 commissaires de police d'arrondissement que compte la ville ont constaté de nombreux accidents des 24 et 25 décembre dernier, dont le bilan est fait ici au commissariat central de la ville de Ouagadougou. Pour cette année 2014, nous avons enregistré pour les périodes des 24 et 25 décembre 2014 111 cas d'accidents de la circulation routière pour un cas de décès. Comparativement à l'année 2013, nous assistons à une augmentation des accidents de la circulation routière parce que pour la même période en 2013, nous étions à 88 cas d'accidents de la circulation routière pour 2 décès. Les cas de décès ont diminué. Mais par contre, les cas d'accidents de la circulation routière ont beaucoup augmenté. Mais généralement, les cas les plus dominants, c'est les deux roues contre deux roues. Les périodes de fin d'année enregistrent de plus en plus d'accidents. La police invite donc la population à la prudence. Même si vous avez la priorité, comme dit la Maxime, priorité d'accord, mais prudence d'abord. Il ne vous sert à rien de vous retrouver à l'hôpital ou au cimetière avec votre priorité. Qui parle de fête, parle d'alcool. Pour ceux qui ne peuvent pas se passer de l'alcool, qu'ils en prennent modérément s'ils le peuvent. Mais s'ils en prennent de trop,
qu'ils fassent en sorte à ne pas se mettre au volant après, parce qu'ils deviendront une source d'insécurité pour eux-mêmes et pour les autres usagers de la voie publique. Comme à l'accoutumée, la police entend se déployer sur les carrefours dits accidentogènes de la ville durant les fêtes de fin d'année, afin, dit-elle, de contribuer à réduire les risques d'accidents. L'économie burkinabé a connu cette année un ralentissement en raison de la situation politique marquée par des incertitudes. Pour une croissance projetée de 7% en 2014, la croissance économique ne devrait pas dépasser la barre des 5%. Retour sur les principaux faits économiques de cette année avec Drissa Séré. Malgré un contexte insurrectionnel, le mois de décembre 2014 ne dérogera pas à la règle. Le projet de loi de finances gestion 2015 est soumis à l'examen du Conseil national de transition. Le budget de l'État gestion 2015 se chiffre en recettes à 1516 milliards de francs CFA, les dépenses à 1804 milliards de francs CFA, soit un besoin de financement de 287 milliards de francs CFA, contrairement au budget 2014 qui s'élevait, lui, à 1664 milliards de francs CFA en recettes pour des dépenses évaluées à 1833 milliards de francs CFA, avec comme besoin de financement 169 milliards de francs CFA. L'une des conséquences du repli du budget, c'est que, en lieu et place d'un taux de croissance espéré de 7%, le Burkina ne réalisera qu'une croissance de 5% en 2014, soit un repli de 2 points. Conjoncture nationale et internationale oblige, au plan économique, pour le Burkina, l'année 2014 ne devrait pas rester dans les annales de l'histoire. D'abord, en ce qui concerne le secteur minier, avec une dizaine de mines, le Burkina, devenu pays minier, était sur une pente ascendante ces dernières années. La contribution du secteur minier au budget de l'État va chercher dans les 200 milliards de francs CFA. Malheureusement, la baisse tendancielle du cours de l'or sur le marché international a plongé les sociétés minières dans une spirale de tourmente. À côté de cette dépréciation de l'environnement du métal jaune, une petite lueur d'espoir, déjà signée entre le Burkina et le groupe minier américain Pan-African, une convention de 350 milliards de francs CFA pour la mise en œuvre de la mine de Tambao. Production attendue, 20 milliards de réserves, avec une teneur de 53%, faisant de Tambao un des gisements les plus prisés au monde. Sur le plan économique, le dernier trimestre de l'année 2014 aura été très chargé. Face aux mouvements de grogne et de contestation persistants, le gouvernement adopte au mois d'octobre des mesures sociales pour améliorer les conditions de vie des populations. 110 milliards ont été retenus pour revaloriser les revenus des travailleurs, soit 54 milliards de francs CFA, 5 milliards pour aider à la création de projets jeunes, 5 milliards pour soutenir l'entrepreneuriat féminin, 7 milliards pour l'enseignement supérieur et un financement en faveur des couches sociales vulnérables. À peine a-t-on eu le temps de mettre en œuvre ces mesures sociales que la population est descendue dans la rue les 30 et 31 octobre 2014 pour exiger le changement. Les casses occasionnées par les manifestations ont porté atteinte à des biens privés et publics. L'Assemblée nationale, la RTB, certains hôtels, les entreprises et domiciles privés, le palais de justice de Bobo-Dioulasso, les dégâts sont estimés à plusieurs milliards de francs CFA. Si les pertes sont importantes, les analystes pensent que les conséquences n'affecteront pas fondamentalement l'économie burkinabé. Le pays devrait renouer rapidement avec une forte croissance, pour peu que les uns et les autres se remettent au travail. Le sanglier est fier de son élevage de dindons et de porcs et en cette période de fête, une foire a été dédiée aux deux mamelles de la province. La foire a permis aux consommateurs de s'approvisionner pour les fêtes à des coûts défiant toute concurrence. Reportage à Kourougou, Jonas Wemba. L'élevage de dindons et de porcs dans la province du sanglier est dans le vert et fait partie aujourd'hui de l'identité culturelle de la localité. La présente foire commerciale 6e du genre, organisée ici sur la place du marché des Réaux, vise à promouvoir ces deux filières et à présenter les avantages liés à la pratique d'un élevage intensif. C'est de travailler afin que ces deux filières permettent de former des revenus au profit des producteurs et permettent d'améliorer aussi leurs conditions de vie. Je pense que ça, ce sont des défis pour lesquels on ne peut pas s'arrêter. Aujourd'hui, j'ai décidé de confier l'organisation de la foire du port de Dindon à un secrétariat permanent composé de jeunes. Cette foire promotionnelle est donc une opportunité d'affaires pour les éleveurs de la province. Yacoub Abadolo dispose à son actif de plus de 250 têtes de Dindon, dont 130 sont ici mis sur le marché. Le Dindon va de 25 000 à 40 000 francs.
ça permet aux gens en réalité de s'adonner à l'activité parce que l'activité peut les faire gagner quelque chose. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un avec le dindon, si ça lui réussit, il peut avoir un bon habitat. Il peut poursuivre les études de ses enfants. Comme il n'y a pas la foule, on ne sait pas comment ça va aller. La tenue de cette foire, comme à l'accoutumée, a permis aux promoteurs de récompenser les meilleures pratiques dans l'élevage des deux espèces animales. Producteurs et productrices ont ainsi reçu des prix en nature et en espèces. De quoi les galvaniser dans leurs activités respectives. L'incivisme fiscal constitue un obstacle au développement économique du Burkina. C'est pour combattre ce phénomène que deux ateliers ont été organisés en août dernier au profit des acteurs économiques de Ouagadougou et Bobo-Dioulasso. L'heure est maintenant à l'évaluation de ces différentes formations. À Bobo-Dioulasso, Sanouan Christine Koulibaly. L'incivisme que connaît le Burkina Faso n'épargne aucun domaine et celui économique reste fortement miné avec l'incivisme fiscal qui se manifeste entre autres par le non-paiement des impôts, les fausses déclarations et la corruption. Des actions s'imposent pour endiguer le phénomène. Essentiellement par des activités de sensibilisation et de formation comme nous les avons initiées en août 2014. Nous avons eu deux ateliers pilotes à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso. Et ces deux ateliers pilotes-là avaient pour objectif de renforcer donc la promotion du civisme en matière fiscale auprès des acteurs économiques. Et aujourd'hui, il s'agit d'évaluer la portée des deux ateliers pilotes. Nous voulons échanger avec ceux qui avaient déjà suivi cette formation en août-là, comment est-ce que sur le terrain, ils ont pu mettre en pratique ce qu'ils ont appris il y a maintenant 4 mois. Sur le terrain, la formation semble porter des fruits. Au niveau de la mentalité, de savoir, en payant mes impôts, ce que ça peut valoir pour le pays. Ça permet d'investir, ça permet de fonctionner, ça permet aussi aux dirigeants de travailler. Moi, je suggère que vraiment ce genre d'atelier puisse se poursuivre. Souvent, ce sont leur argent qui ne nous encourage pas. Parce qu'il y a des argents, ils peuvent venir vous voir. Bon, vous, on vous propose un montant. Mais en même temps, c'est le même qui dit, bon, vous payez tel montant, mais on ne va pas vous donner un reçu. Ou vous payez tel montant, nous, on vous fait un reçu de tel montant. Si vous n'êtes pas d'accord, donc il y a tel montant à payer. Donc nous, on a dit tout ça là, ce n'est pas normal. Parce qu'une fois que ça, c'est à profit de nous tous, c'est pour arranger notre pays. Et c'est l'une des ambitions des autorités qui entendent s'enrichir de l'impact des deux ateliers pilotes afin d'étendre la formation à l'ensemble des acteurs économiques du Burkina Faso. Les consommateurs burkinabés ont droit à des produits alimentaires de qualité et les agriculteurs à des pesticides efficaces. Et c'est là qu'interviennent les contrôleurs et inspecteurs phytosanitaires. Ils ont bénéficié à Kourougou d'une formation pour les rendre plus performants dans leur travail quotidien. Une soixantaine de contrôleurs et inspecteurs ont été concernés par cette formation. Isaïe Parkouda à Kourougou. Le contrôle de la qualité des produits agroalimentaires et des pesticides est assujetti à des règles strictes et contraignantes, surtout à l'heure où les produits contrefaits gagnent de plus en plus du terrain. Et c'est pour mieux outiller les acteurs agissant sur le terrain de contrôle que la Direction générale de production végétale a initié cette session de formation à l'intention des contrôleurs et inspecteurs phytosanitaires. Cette formation, deuxième du genre pour l'année 2014, s'inscrit dans la volonté de la Direction générale à renforcer les compétences techniques de ces acteurs afin qu'ils puissent accomplir pleinement leur mission. Pour cette présente formation, nous avons apporté quelques innovations, à savoir que nous avons invité la Coordination nationale de lutte contre la fraude qui va faire une présentation sur des stratégies de fraude, des produits contrefaits et des agents d'expérience pour permettre à nos inspecteurs de s'informer mieux pour déceler les produits contrefaits ou les produits fraudulés. Venus des différents postes de contrôle, notamment des frontières, ces contrôleurs et inspecteurs ont 72 heures pour mettre à profit leurs connaissances de façon à pouvoir améliorer la qualité et la compétitivité des produits agricoles au Burkina Faso d'une part et limiter l'introduction des organismes nuisibles sur le territoire national d'autre part. Faisons 3 types de contrôle, à l'importation, à l'exportation et en transit. Bon, il faut comprendre que la Sinkensé, c'est une frontière et il y a pas mal de gens qui fraudent, qui passent avec des motos, d'autres par des camions, qui ne passent pas forcément par la douane.
Sinon, tous les produits qui passent par la douane sont soumis à notre contrôle. Des exigences de certification des produits à l'importation et à l'exportation étant requises dans presque toutes les transactions commerciales, le contrôle des végétaux et produits alimentaires est une nécessité pour accéder à l'accréditation selon la norme internationale ISO 17-20. Et la présente formation continue et qualifiante du personnel d'inspection peut permettre de relever ces défis. Restons dans la région où le tissu traditionnel burkinabé est confronté à la concurrence des tissus importés. Ainsi, dans la région du centre-ouest, le tissage, savoir-faire local, ne fait plus vivre ses pratiquants. Du coup, le problème de la transformation du coton et de la valorisation des savoirs ancestraux se pose. Suivons ce sujet réalisé par Isaïe Parkouda. Le coton constitue au Burkina Faso la principale culture de rente et fait du pays le premier exportateur en Afrique. La problématique de sa transformation locale se pose avec acuité et le tissage paraît être le moyen minimal de sa valorisation. Et voici ces tisserands et tisserandes de Sapu et de Koudougou à la tâche. Comme eux, ils sont nombreux ces dépositaires du savoir local dans la région du centre-ouest à faire du métier à tisser leur passion et leur gagne-pain, tentant tant bien que mal à transmettre ce savoir à la jeune génération. Ça fait maintenant 7 ans que je tisse ici à Sapui. J'ai appris le métier d'Azignare il y a environ 20 ans. Et aujourd'hui, je suis aussi formatrice. À l'occasion de la conférence d'Addis Abeba en 1987, Thomas Sankara rappelait à ses pairs, dirigeants africains de l'époque, que le développement du continent noir passait par la prise en compte du plan culturel, l'épine dorsale de l'éveil économique et du réveil politique dans le contexte d'une mise en place d'une nation forte et authentique. Faisons en sorte que le marché africain soit le marché des Africains. Produire en Afrique, transformer en Afrique et consommer en Afrique. Produisons ce dont nous avons besoin et consommons ce que nous produisons au lieu d'importer. Les témoins sont toujours là. Le monde d'ordre à l'époque, il fallait le respecter sous peine de subir le courroux de la révolution. Je vous dis qu'en temps de la révolution, on ne nous avait jamais permis, puisque moi j'étais chef de service, et quand que vous soyez, et qui que vous soyez, de vous présenter devant une tribune sans avoir porté un habit de cotonnade. Vous ne pouvez pas. J'ai eu personnellement à vivre la situation. Je suis allé à Pilimpiko pour tenir une cérémonie. Mais j'étais obligé, moi personnellement, de rentrer en plein milieu du marché de Pilimpiko pour m'acheter un habit et le porter immédiatement sur le hangar avant d'aller monter. Malheureusement, aujourd'hui plus que jamais, les arts du tissu sont mis à rude épreuve. L'envie de s'habiller à la mode européenne pousse les consommateurs à délaisser les confections locales. Le gouvernement et les populations gagneraient à faire des célébrations du 8 mars et des autres fêtes, une opportunité d'affaires pour les tisserands. Cela permettra de valoriser les produits issus du tissage et de garder les devises. Pour obtenir ces pailles traditionnelles, il y a un long processus qui implique des moyens financiers conséquents. Le prix du colorant, par exemple, est fonction de sa couleur et du degré de sa qualité. Si c'est la teinte en couleur, cela peut varier entre 300 000 francs et 400 000 francs. C'est ce matin que nous avons pris ces 4 sacs de teinte noire à raison de 50 000 francs l'unité. La dimension esthétique de l'art produit est si grande, mais grande n'est pas sa consommation. Wenkota Wedraogo est vendeur de pailles traditionnelles. Ses clients sont pour la plupart de nationalité étrangère. On a des hommes qui viennent de Tougan, d'autres viennent de la Côte d'Ivoire. Bon, il y a d'autres qui viennent un peu partout, au Mali aussi. La mise en place d'une véritable politique encourageant la valorisation du coton local afin de dynamiser le savoir-faire traditionnel s'avère donc nécessaire. Ainsi, s'orienter vers une consommation locale pour faire de ce creuset identitaire l'astre pour les générations futures est une équation qu'il faut vite résoudre. Quand il y a une commande, nous vendons le ruban tissé à 8 000 francs, des fois à 7 000. Seulement les clients se font rares. D'ailleurs, les arts de tissu permettent de lutter contre la précarité des populations rurales et constituent une alternative pour lutter contre le chômage des jeunes. Je souhaiterais que les parents mettent à profit les vacances en formant les enfants au métier. Cela cultiverait chez les jeunes l'esprit d'entrepreneuriat, surtout pour nous les femmes.
Le Burkina Faso possède donc une longue tradition de textiles tissés ou teints à la main. Cette science mérite aujourd'hui une attention particulière à l'heure où les marchés locaux sont inondés de produits étrangers. Rupture dans la continuité, il appartient aux générations conscientes d'apporter une lumière vive aux lampes de savoir qui risquent de s'éteindre si rien n'est fait. La sensibilisation des masses pour un retour aux sources paraît donc indéchargeable. C'est dans une région où le phénomène se pose avec acuité que l'Association des femmes juristes du Burkina Faso est allée faire un plaidoyer sur le mariage précoce et ou forcé, une démarche pour solliciter la contribution des leaders religieux et coutumiers à l'application effective des droits des femmes et des jeunes filles à Dori Bernard Diasso. Après une collecte de données sur la problématique du mariage précoce et ou forcé dans la commune de Dori en novembre 2014 par l'Association des femmes juristes du Burkina Faso, il ressort que nombreuses sont des jeunes filles données en mariage avant l'âge requis. D'où l'initiative de ce plaidoyer envers ces représentants des communautés religieuses, administratives, judiciaires, policières, afin qu'ils s'impliquent dans l'éradication du phénomène. Un appel qui n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. C'est une lutte vraiment qui va dans le bon sens. Donc en tant qu'administration locale, on a le devoir de les soutenir, de les accompagner partout. Je pense que nous avons beaucoup de rencontres entre nous. Et comme nous effectuons des sorties, nous allons profiter de nos passages pour sensibiliser nos sœurs, nos mères et surtout même les hommes qui viendront nous écouter pour dire que la petite fille, elle aussi, elle doit connaître une enfance heureuse et vraiment choisir son mari, c'est-à-dire son conjoint, et décider de se marier à l'âge adulte comme la loi le dit au Burkina Faso. Consciente des difficultés que rencontrent les femmes burkinabées en matière de protection de leurs droits, le groupe de femmes juristes a décidé de s'unir pour défendre la cause des femmes et des jeunes filles victimes de violences vis-à-vis de leurs droits. Et à cette rencontre de Dori, c'est une satisfaction qui se dégage aux yeux des responsables. Nous voyons que ce public cible a vraiment répondu. Et à la fin de ce plaidoyer, vous avez vu que par acclamation, ils ont pris ensemble l'engagement de contribuer à réduire ce phénomène de mariage précoce et ou forcé dans la commune de Dori. Donc nous ne pouvons que saluer cet engagement. L'objectif de l'Association des femmes juristes du Burkina Faso est de contribuer au respect des droits fondamentaux de la jeune fille relatifs au mariage dans la région du Sahel d'ici à décembre 2016. Une formation sur la promotion de la paix sociale a réuni hier à Ouaïouga différents représentants des confessions religieuses. Venus des régions du Nord, du Centre-Nord et du Sahel, les participants se sont penchés sur le rôle des communautés religieuses dans la promotion de la paix sociale au Burkina Faso. Reportage à Addis Andamba. Au Burkina Faso, il existe certes la tolérance mutuelle entre les différentes confessions religieuses, mais pour barrer la route à toute dérive comme l'intégrisme, le fanatisme et l'extrémisme, il s'avère nécessaire, voire impératif, de consolider le dialogue interreligieux. C'est pourquoi, en faveur de la journée des communautés religieuses, ces représentants des religions monothéistes sont à l'école du rôle des communautés religieuses dans la promotion de la paix sociale. Il s'agit là pour eux d'échanger et de partager leurs expériences en matière de cohabitation pacifique dans un État multiconfessionnel. Et aussi de faire en sorte que les fils et filles de ces pays puissent se parler et se donner la main, en tout cas dans une perspective de développement. Et nous attendons vraiment de nos participants leurs contributions et des suggestions et aussi en tout cas leur participation. À travers donc des communications et des illustrations, chaque représentant a mis à nu les enseignements religieux relatifs à la tolérance et au dialogue interreligieux. Et de ses exposés, il en ressort que tous les livres saints recommandent la cohabitation pacifique, le respect des croyances d'autrui, mais aussi et surtout la préservation de la paix. Ses représentants, venus du centre nord, du nord et du Sahel, devraient donc à leur tour être chacun dans sa communauté un relais et mieux encore un exemple en matière de tolérance religieuse. Une mosquée du vendredi pour les fidèles musulmans du secteur 2 de Kourougou et pas seulement. Le 19 décembre dernier, devrait permettre à tous les fidèles musulmans de Kourougou de renforcer leur foi et d'œuvrer ensemble pour la tolérance et la solidarité. Harouna Maré.
les fidèles musulmans du secteur numéro 2 de Kodougou n'auront plus une grande distance à parcourir pour accomplir leur prière de vendredi. Désormais, c'est dans cette mosquée nouvellement construite qu'ils pourront prier. Prêche, prière et bénédiction ont été les temps forts de l'inauguration de l'infrastructure. Les intervenants ont tour à tour invité les fidèles à fréquenter cette maison de Dieu et d'en faire bon usage. L'acquisition de ce joyau, pour nous, va permettre en tout cas à l'ensemble des fidèles de communier et de prier pour la paix et la cohésion sociale au niveau de la région du centre-ouest et dans le Burkina tout entier. Le cheikh Alassane Souré a invité les Burkinabés à prôner la paix et la réconciliation par un changement de comportement et à surtout cultiver la tolérance et le pardon afin de consolider leur foi. La prière à cette inauguration a été dirigée par le cheikh Mahamadi Ali Cissé, venu de Kaolack au Sénégal. L'islam, c'est une religion de la paix. Le message de Buyout Salam. Ouais, et les mosquées, c'est des maisons de la paix. Le mosquée de l'islam. Qui est la première maison dans l'islam. Le mosquée de Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. C'est la mosquée du prophète Mohamed Sallallahu Alaihi Wasallam. C'est le fait à Abba Salam. Tu trouves là-bas une porte de la paix. Les fidèles musulmans ont salué les efforts du donateur et souhaité qu'il puisse perpétuer ce genre de gestes dans d'autres localités du Burkina. Sport, la 22e nuit des champions aura lieu ce soir dans les jardins de la RTV dans quelques minutes. Ce sont 25 athlètes et 4 personnalités qui seront récompensés par les journalistes sportifs pour leur contribution à l'essor du sport burkinabé. Pour en parler, je reçois Lassina Savadogo du service des sports. Bonsoir Lassina. Bonsoir Godefroy Bazier. Alors, vous êtes venu nous parler de cette 22e nuit des champions. Quelle est sa spécificité? Écoutez, la nuit des champions 2014 se déroule entre deux fêtes. On a eu la Noël, on a la fête de la Sainte-Sylvestre qui s'annonce. Et puis, entre ces deux fêtes-là, il y a la 22e nuit des champions qui aura lieu tout à l'heure dans les jardins de la RTB, comme vous l'avez dit. Et la spécificité, Godefroy, c'est le discours du président de la GSB, Alexis Konkobo, qui va être un discours de rupture avec les discours habituels. Et c'est un discours aussi qui va camper le décor pour la saison prochaine. Vous savez que dès le mois de janvier, il y a la Coupe d'Afrique des Nations en Guinée équatoriale. Et le président va déjà lancer comme ça des messages à tous ces étalons-là qui doivent faire en sorte que le drapeau du Burkina Faso flotte très haut en Guinée équatoriale. C'est un discours en tout cas qui est très attendu et qui sans doute va donner un peu, va planter le décor de ce qui doit être la saison sportive 2014-2015 ici au Burkina. Voilà, grâce à notre réalisateur Cédou Dera, nous avons déjà pu voir les images du jardin de la RTV où les invités et les personnalités sont déjà arrivés pour participer à cette nuit des champions. Et est-ce que vous pouvez nous dire quels sont ceux qui auront l'honneur de recevoir, j'allais dire la nuit des Oscars, mais les statuettes de la JSB? Écoutez, c'est pas la nuit des Oscars, mais c'est la nuit des étoiles hein, au niveau du Burkina Faso. Ça dure depuis 22 ans, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Ils sont 25 sportifs à recevoir les prix de la JSB cette année. Vous savez que c'est l'un des meilleurs prix hein, pour couronner la carrière individuelle, sinon la performance individuelle d'un athlète pendant une saison. Et ils sont nombreux. Je vais citer par exemple Banu Diawara du Racing Club de Bobo Dioulasso en football, Abel Bakiono au handball, Cheikh Sanogo au basketball, Fatoumata Ouedrago au Koufou Mouchou, Do Frédéric à la lutte traditionnelle. Voici quelques personnes, quelques athlètes hein, qui vont recevoir les prix ce soir. Et puis, il y a des personnalités aussi qui seront honorées ce soir, Godefroy Bazier. La GSB, cette année, a pensé à honorer des personnes physiques et aussi morales. On a pensé à l'École nationale de police pour son action chaque jour que les étalons jouent. L'École nationale de la police est présente donc dans les gradins pour supporter les étalons. On a aussi pensé à l'observateur Palga sur ce quotidien que vous connaissez bien, pour son légendaire marathon Waga Lai. On a aussi pensé à un monsieur qui a réussi sa reconversion football et puis business aujourd'hui. Il s'agit de Rahim Ouedrago avec sa société de transport. Et puis, enfin, un de vos collègues passionné de basketball, toujours au four au moulin. Ça fait plus de 16 ans qu'il organise son camp vacances basket. Il s'agit de M. Mahamoudou Zougrana, que certains appellent affectueusement Banner, ou encore George Jordan. Voici des personnalités hein, qui seront honorées ce soir. Tout le monde est tiré à quatre épingles ce soir à Godefroy Bazier dans les jardins de l'RTB. Et on attend, hein, on vous fera la passe tout à l'heure, après le journal, bien sûr, pour nous retrouver du côté des jardins avec Ben Ahmed Ouedrago, qui va piloter tout cela. Bien sûr, dit Big Ben. Et puis la dernière commission que je voudrais vous faire, vous êtes un sportif averti.
le président Alexis Concoubé Michaï de vous dire que vous avez une place bien réservée dans les jardins de la RTB. Justement, je voulais vous prendre au mot l'assignation. Oui. Est-ce que l'entrée est libre? Est-ce qu'il faut venir avec une carte d'invitation? Parce que quand on lance comme ça un ballon d'essai, tout le monde va courir ici. Oui, vous savez bien que c'est une nuit des étoiles. Une nuit des étoiles, c'est un public sélect qui est attendu. Il faut bien sûr avoir une carte d'invitation pour pouvoir prendre part à cette 22e nuit des champions. Vous êtes un invité exceptionnel. Vous êtes attendu. Vous avez votre carte d'invitation déjà dans vos bureaux. Prenez-la et venez vous asseoir avec nous pour célébrer les athlètes de cette saison 2013-2014. Voilà, merci et bravo à toutes les personnalités, à tous les sportifs qui recevront dans quelques instants ces statuettes de la JSB dans le cadre de la 22e nuit des champions. Merci Lassina Savaro d'être venue nous parler de cette nuit. Fin du journal de 20h sur la RTB. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée à toutes et à tous et à demain.